bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sébastien sur Paris-Roubaix Espoir. Celle-là, elle est belle. Je ne pensais pas qu'on se serait retrouvé encore en 2023 pour Paris-Roubaix. On est invité par le VC Roubaix. Oui. Donc merci à eux déjà, dans un premier temps, de nous avoir invités. On va avoir l'occasion, là on est au départ, de les suivre sur le parcours avec un accès au parcours. Donc ça, on pourra recouper le parcours en fait avant eux pour pouvoir se positionner. Ce qui est énorme. Oui. On a d'habitude, on se débrouille toujours tout seul. Là par contre, on sait qu'on va avoir accès et on passera super facilement. Donc ça va être sympa. On se retrouvera au Vélodrome aussi pour l'arrivée, si tout se passe bien, si on n'est pas bloqué, mais normalement on ne devrait pas être bloqué pour le coup. Alors 53e édition de Paris-Roubaix Espoir, il n'y a pas eu Paris-Roubaix Espoir depuis 2019. Ouais. D'ailleurs le dernier vainqueur c'est quand même Tom Pidcock, un nom anodin. Et d'ailleurs on peut voir aussi sur les anciennes éditions de Paris-Roubaix Espoir, tous les, on va dire le top 5, aujourd'hui c'est des pros, qui sont... niveau. Ouais c'est ça, c'est des costauds, donc on sait qu'ici il y a du talent, il y a du niveau, ça on n'en doute pas. On aura 165 km aujourd'hui avec 22 secteurs pavés, ça fera 35 km de pavés. Pleut aujourd'hui. Donc je crois depuis il commence à Wandigny à Mage, je crois que c'est ça, pour toute la fin du parcours, c'est comme les pros. Et c'est ça, et en plus les conditions climatiques qui sont pas ouf, normalement on devrait avoir de la pluie quasiment toute la journée. Donc allez, on est parti pour vous faire vivre ça, on est au départ dans les bus, on va prendre quelques plans et allez go, c'est parti. Je
Voilà, c'est parti pour 22 secteurs, 162 km 800, voilà. Définissons, si vous le voulez bien, le vent autour de 16h25, le vainqueur final. Il est vrai que Tom Pitcock, le dernier vainqueur... On se retrouve à notre premier point. Vous avez vu le départ plus deux tours dans le départ fictif. On est du coup à Wiesli, juste à l'entrée. L'entrée du secteur de Wiesli à Kevi, elle est juste là-bas dans le pont. Du coup, nous on est juste avant, comme ça après on va aller direction la sortie du secteur de Kevi qui est juste à côté et comme ça on a plusieurs passages. Allez les gars. Oh. Se retrouve dans le secteur pavé de Monzampevel. Alors la course qui est vraiment très très rapide, ils ont 44 de moyenne, donc ils ont plus de 15 minutes d'avance sur l'itinéraire horaire. Donc c'est assez compliqué pour l'instant. C'est le premier secteur pavé qu'on va voir aujourd'hui et c'est même le dernier parce qu'après on va devoir aller à Roubaix. Mais ouais, course qui est vraiment ça embraye bien, il y a beaucoup de chutes, forcément beaucoup de problèmes mécaniques. Donc on va les attendre ici et après ce sera direction Roubaix. Allez, dis allez!
On est arrivé à Roubaix. L'avantage de pouvoir passer sur le circuit, c'est vachement cool. C'est même très très bizarre. On a l'impression d'être en tort, mais on était sur le parcours et pas embêté. On pouvait rouler. Donc on est à Roubaix. On n'a pas eu besoin de chercher une place ou quoi. On avait la place qui nous attendait. Donc maintenant on est parti. On va aller au vélodrome. Ils sont à peu près à 20 km de l'arrivée. Donc ça va très très vite arriver parce que ça roule toujours aussi vite depuis le début de la journée. Merci à l'Honor de le département de là. Merci à Muscato de Béton ce matin avec son maire, M. Siméon. Monsieur le premier, pour celui qui le connaît tranquille, qui le connaît bien, et le patron de la vie sur eux. Thank you.
sur le Tour de Bretagne. In het begin als jullie zo weg waren, Alec en ik passeren zo bij een kasseinsgroep, voor mijn maat roepen 30 seconden! En wel, op het einde van de strook worden we niet roepen 1 minuut en 10. Ja, nu draag jij erbij. Cory is gevallen. Dat is brief. Who won? En Axel, hoe? Aber das erste Mal, als ich gestürzt bin. Der Asphaltzweck. Ich war so früher am Anfang drin. Und ich bin gelandet. Ich mach das ist flüchtend. Und dann knapp dann vorherische und dann verzingere. Und was ist mit dem Fahrer? Ja, und dann war so eine kleine Bucht gemacht. Was ist mit dem Fahrer? Was machst du? Le premier jour. Le premier jour, j'arrive dans le premier secteur. Un peu confiant, voire un peu trop confiant. Je casse les dérailleurs. Et le deuxième jour, j'arrive plein phare dans le premier. Plein but dans le premier. J'arrive, je vois le trou, Oh putain. Et du coup. C'est bien. T'as perdu mon bidon? Ouais. Je t'ai fait qu'il se perdait. T'as tout aidé? Toi, la deuxième fois que j'ai réussi à te donner, c'était chaud. Get my legs. Maar je weet er echt wel. Ik had niet verwacht dat je hier. Ik kan gewoon heel back. Waarom gaan we dan? Où il change le vélo, il prend le gris. T'as toujours du frein toi? Ouais. Les mecs ont du frein. Personne n'a du frein. Non, pas. Alors, il voit le pavé, c'est chouette, il y a mort, etc. Il y a une courbe. Enfin, je vais faire crâne, là, Marty, c'est clair. My will, bro. I was chasing for alone all day long. Bravo. Bon voilà, Paris-Roubaix, espoir est terminé. Oui. Une belle course, il y a eu du mouvement tout le long. C'est dommage, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment suivre à la télé. Il y avait une retransmission quand même sur YouTube, ouais. Si jamais, qui est assez sympa. Donc encore merci au Vélo Club de Roubaix de nous avoir permis de faire ça. C'est vraiment super cool d'avoir pu suivre en fait tout le long. Merci à Gauthier. Ouais, merci à Gauthier. Franchement, la journée elle est passée super super vite. Franchement, ouais, c'était tellement. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Première fois qu'on se retrouve sur une course espoir comme ça. Donc je pense que c'était assez cool à vivre. Et puis on se retrouve très prochainement de toute façon pour Une semaine et demie. Ouais, c'est ça, pour les 4 journées Dunkerque. Allez, c'est parti. Allez. Bye. Allez. Tout le monde. Ciao.